vous connaissiez? Oui. 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 Non. Et vous, comment vous vous connaissez? Nous, on se connaît, elle m'imite sur scène, mais oui, elle a jamais voulu me le faire devant moi. Ah, bah, c'est bon, là, ce soir, elle va le faire. Mais il y a plein d'amis qui m'ont dit que c'était super. Ah, ouais, ok, parfait. Et non, mais surtout, cet été, on a fait une émission de télé au Québec où il y avait une tempête. Oh mon Dieu. Et on a cru mourir, mais vraiment que. Et je vous dis ça, pas. Et elle a été super gentille avec moi parce qu'à un moment. Vraiment, c'était dangereux. Le vent, elle était à plus de 100 km/h. On a évacué le plateau, mais il était minuit, 1h du matin, tu vois. Ouais. Et elle m'a tenue. C'est pas vrai. Elle m'a tenue pour pas que vous envoyiez. Oui, elle a été tellement gentille. Monte-moi. C'est pas vrai. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Anne? Mais c'est vrai que c'était. J'étais en panique totale. Ah, mais c'était fou. Et on cherchait à continuer l'émission parce que tu peux pas arrêter une émission. Bah oui, bref, elle a été tellement gentille quand on m'a. Enfin, elle m'a évacuée, mais fallait descendre des marches. Et je disais qu'en France. Je lui ai dit ça. Personne en France, non, une comique, elle t'aurait poussée ou. Non, non, non. Non, mais si, c'est bien probable. Non, mais non. Elle. Ou y a tout, pas chacun pour sa gueule, mais là, je trouve qu'elle était tellement sympa. Moi, et votre voisine. Ah oui, ouais, j'étais entre les deux. Mais c'est pas comme ça. Hein. Pas ouais, il était très sympa. On a pris soin de Anne et on l'a. J'avais tellement peur, en fait, je voyais plus rien. J'étais au bras.